40 minutes, c'est nickel. Je t'amène un raid, mon cookie, mais il croit que t'es toujours sur Inside. Comment ça? Ah! Eh ouais, mais non, on l'a terminé! Let's go, senpai! Il y a eu mensonge. Il y a eu mensonge sur la marchandise. Salut, senpai! Comment ça va? Merci pour ton raid. Il y a Yulva qui me dit que qu'elle t'a vendu du inside, mais on vient juste de le terminer. Hop, je te lance un petit saut. T'étais sur RE3. Ça s'est bien Allez, passé? allez, faites pas les timides. C'est pas Dark Souls, ça. Moi, On peut scam? fermer? Ferme. Jamais! Non, mais ferme de l'intérieur, connard. Vite, ils vont arriver, Ce clip insane! Ouais, j'ai fini le jeu, ah, GG! On Ah non, ils ont pas descend. l'air, non? Y a quoi en bas? Je suis pas sûr de ce que je fais là. Là... Oh putain! Oh non! Putain! Mais c'est quoi cette porte? C'est quoi cette porte? C'est quoi cette porte? La porte-piège, quoi. Au secours. Je l'ai pas vu finir le jeu, donc je pense que ça scame encore. Qui ça, moi ou Senpai? Il n'y a rien derrière la porte, c'est du vide. C'est clair, la porte du piège. Bah du coup, ouais, non, nous on a fini Inside. Et comme je pense que je vais finir le live d'ici une quarantaine de minutes, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait lancer. Du coup, bah, why not comment dire, une run d'Hadès. Bon, par contre, ça fait super longtemps. Donc, ne me jugez pas. Si, si, j'ai descendu la poubelle. Pourquoi? T'as vu une scène, ça part complètement en vrai à la fin. Ah ouais, la grosse masse dégueulasse, là. Lui, c'est mon mari. Lui, c'est mon mari. Putain, mais c'est bizarre, j'entends pas la musique du jeu. Yulva, c'est Némésis, la poubelle. Ah, mais attends, j'avais peut-être baissé le son. Voilà. Bon. Ben, let's go, hein. On va peut-être se faire rétamer la gueule. Mais c'est pas grave. Vu que ça fait un bail quand même. En plus, on est en température. Ok, j'ai pas assez. Qu'est-ce qu'on prend? C'est quoi ça? Ah, révélé! J'avais l'aspect de Beowulf. Style de combat alternatif. Votre attaque et votre technique sont lentes mais plus puissantes. Votre lancer s'incorpore à votre charge. Ouais, mais la charge, je l'utilise pas. Votre charge du taureau renforcée avec votre lancer. Dégâts et largeur de charge, vous possédez rempart mais subissez des dégâts en plus. Ouais, d'accord. La charge. Votre technique devient foudroyant. Alors attends, ma technique. Ok, elle est foudroyante. Ah, mais du coup, je le lance. Ok.
Y pour vous défendre. Ok. Bon, vas-y, on va prendre le bouclier, mais j'y crois moyen. Comment ça, on est en température? J'essaie de passer à la température 16, là. Température, c'est... On se met des malus, en fait. Ça me fatigue déjà. Alors, avec le bouclier, il faut que j'aille en température 10. Oh, merci Yulva pour le sub-gift offert à Senpai. Merci beaucoup. Sinon, on se fait une arme sur laquelle on a peut-être moins de température pour une reprise. On est en 10 encore. On est en 10. Ah non, c'est là-haut, augmenter la température jusqu'à 8. Ok, donc avec l'arc, c'est 8. 11 avec le bouclier. 9. Pour le moment, c'est 8 avec l'arc. Ah, 7. 7 avec l'épée. 7 avec les gants. Et 10. Alors, épée ou gants? Les gants, par contre, c'est du corps à corps. C'est le mode difficile, quoi. Ouais. Ça arrive après que t'aies fini une fois le jeu de manière classique. Et du coup, ouais. Alors, pour griffer, ok. Un uppercut. Ah ok, je peux... Ok. J'hésite du coup. Va peut-être pour les gants. Les gants. J'ai mis quoi? Gilgamesh. Vous possédez les griffes d'Enkidu dont les sorts mutilent vos ennemis. Comment ça fonctionne ça? Votre attaque est lente mais plus puissante. Vous pouvez vous élancer plus de fois. Appuyez sur B pour vous élancer et X pour un uppercut. Vos ennemis subissent 25% de dégâts en plus mais en infligent 50 de plus pendant 4 secondes. Ouais, vas-y, on verra. On verra. Donc, les mesures d'urgence, peut-être pas à ce point-là. Alors attends, on va tout enlever déjà. Et là en fait j'ai des malus. Avec le bouclier j'en suis à 16 et ça devient hard. Mais j'ai eu l'épilogue il n'y a pas longtemps. Officiellement j'ai fini le jeu. Ah ouais? Sympa. Donc tous vos ennemis infligent plus de dégâts, non. Toutes les sources ressortent au moins, non. Tous les coups plus élevés, non. Vos ennemis apparaissent en plus grand nombre lors de combats standards, peut-être. Le boss de chacune des régions des enfers ont recours à de nouvelles techniques. J'hésite. Tous vos ennemis ont plus de points de vie, ça me branche pas trop. En armure, accorder des privilèges, non. Chaque combat contre un mini-boss contient un ennemi en armure. Peut-être. Ça non. Tous les ennemis attaquent, se déplacent plus rapidement. Les pièges, ça moi souvent je le mettais. Vos talents du miroir de la nuit sont désactivés, non. Tous les ennemis. Ah ça je le mettais aussi. Leur mettre une armure. Sont dotés, ouais, peut-être une. Vos bienfaits sont plus limités, non? Les délais, ça, je l'avais fait une fois. Putain, on va mettre quoi? Mais la voix de coquille sauvage me berce. Il est tout calme.
J'avoue, c'est hyper chill. Attends, attends. Là, c'est parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien du tout. Je vais rager dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont plus élevés. Non, j'ai pas envie. En plus grand nombre, peut-être. Mesure d'urgence. Mesure d'urgence, si j'en mets deux, ça veut dire qu'il y aura du coup les trois sœurs et que l'hydre, elle aura ses têtes qui se baladent. Chaque combat contre un mini-boss. Pop, 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 pop. Je ne sais pas. Parce que ça veut dire qu'Astérion, ils auront leur chariot et compagnie. Dans ces cas-là, on peut peut-être enlever ça. Ou celui-là. Non, franchement, les pièges, des fois, ça m'a tué. Donc vas-y, on fait ça. Allez, let's go. On a rendu les boss un peu plus forts. Et le premier coup ne marche pas sur les mobs. Ferme donc cette bouche. Parle-moi en allemand. Putain, il y a plus de temps de réglage que de jeu. Non, mais non, non. Oh, putain, trop bien, un marteau de dédale. Alors, votre technique se termine par une puissante frappe au sol qui inflige 90 points de dégâts. Votre assaut transperce vos ennemis et inflige plus 900 à leurs armures. Les ennemis mutilés subissent plus 25 et se déplacent plus lentement. J'hésite entre la technique et mon assaut. Parce que pour flinguer les armures, ça peut être pas mal ça. Vas-y, l'assaut. Ok, par contre, j'ai du ZA, donc tant mieux, j'aurai de la bouffe. Ah putain, il y a Chaos qui s'est déjà ouvert. Allez, vas-y, on va voir Chaos. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la bouffe? Ça m'arrangerait de la bouffe, non? Qu'est-ce qui occupe ton esprit en cette occasion? Alors, pendant les 4 prochains combats, à chaque fois que vous utilisez votre technique, vous perdez. Ensuite, votre attaque inflige plus. Pendant les 4 prochains combats, votre vitesse. Ensuite, vous infligez 47% de dégâts aux ennemis indemnes. Pendant 4 prochaines chambres, les aperçus sont cachés. Ah non, on prend celle-là. Hein. Faut juste pas se servir de notre technique. Donc, on va juste frapper. Pas que j'utilise ma technique. Ah putain, le bâtard, il m'a enchaîné. Bon bah j'ai bien fait de pas mettre les pièges vu que je m'en suis mangé un. Hein. Ok, en plus dans mon miroir,
Des 100 nécessite 5, ben on les a. Après, il faut que je récupère des oignons. Du coup, il faut que je perde en bas. En bas dans les raids. Ah putain, mais il y a Athéna aussi. J'hésite à descendre dans les raids. C'est chiant ça d'ailleurs, pour collecter des oignons, on est obligé de perdre. Avec Twitch, vous pouvez participer au culte et être mes adeptes. Si je veux, demain, je lance le culte, tu viens le rejoindre, je te fais faire un bébé. Moi d'ailleurs, comme c'est sur Switch, c'est con, c'est que je pourrais pas le faire. J'hésite à aller dans les raids. Non, vas-y, on va. Si je peux avoir le l'élan qui renvoie les trucs, ça peut être pas mal. Ok. Tu veux bien me donner ton élan, ton élan, ton élan? N'oublie pas que changer de stratégie peut être la clé de la victoire, cousin. Oh, l'élan. Permet de renvoyer toute attaque. Bah, let's go. Ça, c'est génial. L'élan d'Athéna, c'est vraiment... j'adore. Au moins, on va renvoyer les attaques ennemies. Vas-y. Salut la grosse. Ok, elle avait déjà une armure, elle. Alors... Il me répond pas quand je lui propose de devenir ma chose. La phrase est terrible. Il n'y a vraiment que toi qui m'aimes, mon coquille. Oui. Surtout quand tu me laisses tuer plein de gens dans le culte. Encore plus à ce moment-là. Par contre, le truc de chaos, c'est bientôt terminé là que... Ah bah c'était du rapide. Ah, cool, je peux utiliser ma technique. Je peux utiliser ma technique. Ah putain, mais j'aime pas Aphrodite, vas-y, je l'altère. Arès, t'as quoi d'autre? Déméter, c'est pas mon kiff non plus. Athéna, non, Athéna, c'est pas mon kiff. Hein. T'as pas de l'Artémis à me proposer ou du Dionysos? Je vais cramer tous mes bordels dessus. Ouais, bah vas-y. Hein. J'ai cramé mes 7 relances dessus. Il n'y a pas de la bouffe, il n'y a pas de la bouffe, il n'y a pas de la bouffe. Ok. J'espère que le fauchage des âmes des défunts est aussi aisé que celui des champs de la surface, Zagreus. Alors, ton soutien, votre lancer. Ah ouais, c'est vrai que j'utilise pas le lancer, moi. Forme un cristal émettant un rayon qui suit vos ennemis pendant 5 secondes. Dégâts 50, 10 toutes les 0,2. Lorsque... Ah, mais tu me files que des trucs de lancer, là. Votre appel crée un vortex glacial pendant 5 secondes qui applique l'état gelé. Ouais. Va pour le lancer. Comment on fait déjà? Ah, comme ça.
Ok, il faudra que je pense au lancer. Ah ouais, il a l'air de faire mal à le lancer. Ah ouais, il a l'air sympa. Merde. À vouloir utiliser les trucs que j'ai là. Ah ouais, il a l'air de bien faire mal quand même. Va falloir penser au lancer du coup. J'ai pas assez de pognon pour aller chez Caron. Désolé, Mabatou avait besoin de moi. Mais oui, vas-y, ça va être marrant. Comme ça, je verrai ce que ça donne. Jamais vu, mais beaucoup entendu parler. Ah, t'as jamais vu Cult of the Lamb? Eh bien, attention que les branches auxquelles tu te rattrapes ne cassent pas. Ah! Va falloir que je les Qu'est-ce fasse que c'est? courir. Allez, courez, courez, mesdames. Il faut qu'on tienne encore 13 secondes. Ok. Des thunasses. Non mais Osef, la branche, j'utilise le tronc. Ok, par contre, c'est trop bien mon élan qui flingue les armures là. Quand on va être dans le, quand on va être dans comment dire, au paradis là, aux Champs-Élysées, ça va être bien utile, hein. Du pognon ou de la vie? Va pour la vie. Ah, il y a mon bébou! Il y a mon chéri, Thanatos! Il paraît que tu as besoin d'aide, Zagreus? Non, pas vraiment, mais bon, je veux bien. Surtout quand ça vient de toi. Ok, j'en ai éclaté 18, il en a éclaté 2, quoi. Salut bébé! C'est mon chéri, c'est mon chéri, Thanatos.
Restaurer, j'en ai rien à péter. Let's go Dionysos, tu veux bien me donner ton bienfait des fontaines? Thanatos, je lui ai fait l'amour toute la nuit, je l'ai pas laissé dormir jusqu'au lever du soleil, il n'en peut plus maintenant quand il me voit. Ah mais c'est mon husbando, hein, Thanatos. Très bien, tu feras donc un bébé avec Nini, c'est ma meilleure poule pondeuse. Ça dépend pourquoi, la condition c'est que c'est moi qui choisis, c'est un mini-moi avant tout. Non mais mec, ton, c'est une secte, ma secte, dans quel monde t'as cru que t'avais ton mot à dire? C'est qui Tana machin? Thanatos, le dieu de la mort. C'est notre... C'est supposé être notre frère, mais en fait c'est pas notre frère. Au final. Parce qu'on est supposé être le fils de Nyx, qui et Thanatos, c'est son fils. Mais au final, on n'est pas le fils de Nyx. Donc, bon, après, c'est pas ça qui les arrête, hein, de coucher entre eux, les dieux. La fontaine, la fontaine, la fontaine. Encore une tentative, hein, Zag? T'inquiète, on va te défrayer la chronique. Allez, au boulot. Votre attaque, votre technique ou votre appel? Ouais, j'aurais bien voulu autre chose, mais bon. Votre attaque, votre technique ou l'appel. Vas-y, l'attaque. Parce que je joue beaucoup avec l'attaque. Vas-y, on va aller voir Caron, vu qu'on a du pognon. C'est notre amant, exactement. C'est le beau gosse, Thanatos. Alors, ben, on n'a pas le choix. Déméter. Oh, un duo. Lorsque vous êtes à court d'utilisation des refus de la mort. Oh, putain, les racines persistantes. Oh, le meilleur duo du jeu. Quand j'ai plus de refus de la mort, je récupère très rapidement mes PV. Obligé. On va pas prendre de vie, franchement, ça sert à rien. On va garder nos thunes. J'ai le dos qui gratte, Koki, j'arrive pas à atteindre. Tu veux que je t'envoie Thanatos? Il va te gratter avec sa faux. Zagreus, ça y est, elle connaît mon nom. Zagreus, meurtrier. Ok. Faut vous calmer, madame. Ah oui, par contre, je peux lui renvoyer ses attaques. Donc ça va être bon. Aïe! Y a pas un petit peu des... Merde, la connasse. Ok. T'as pas le bras assez télescopique. On va dire que j'ai une taille modérée. Puis je suis pas toute fine non plus, ça aide peut-être pas. Trouve-toi un coin de porte pour te gratter. Un coin de porte, Bah, elle vient de te dire, elle est pas très grande, plutôt un coin de table.
Je préfère que Koki vienne me gratter plutôt que de la jouer balou. Et This talk will seem somewhat cute. whoopidou, Don't mind me, Father. tadi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 d
C'est pas inside. Ah merde, j'ai oublié de changer. J'ai oublié de changer. Je suis rincé. Ça marche, ça marche. Effectivement, cette Kateg Hadès. Cette title. Après inside. Petite run Hadès. Avant dodo. Voilà, merci beaucoup Dino. Si jamais tu trouves le bonheur là-haut, mon chou, ne te retourne pas. Alors, adoré des dieux, jusqu'à deux de vos bienfaits choisis aléatoirement pour passer à la qualité sup. Quatre de vos bienfaits pour gagner un niveau. Boisson rare, les trois prochains bienfaits, qualité supérieure. On va prendre jusqu'à deux bienfaits aléatoirement. Rayon cristallin et élan divin, c'est les plus pourris, je crois. Rayon cristallin. Ah, quoique non, lui, il fait mal. Lui, il fait mal. Élan divin. Ouais, ok, ouais, pourquoi pas. Fais chier, je m'en fous d'Aphrodite. J'ai plus rien à vous donner, hein, à vous, non? Je m'en fous d'Aphrodite, pas de soucis, je t'ai fait si peur que t'as changé de catégorie. Non, bah non, mais c'est... Ah! Oh, un poisson. C'est mieux quand même. Quand ça correspond, en plus, ça permet de... Ça permet d'avoir des chapitres. Si les gens cliquent dessus, ils tombent directement... Ils tombent directement du coup... Là où il faut, quoi. Alors, pêchons. Merde, putain, trop tôt. Je savais que ça allait tomber à la troisième, mais j'ai... Putain, je suis trop con. Ça fait longtemps que j'ai plus fait. Ça se voit. Dommage. Bon, après, j'ai rien besoin de pêcher ici, donc on s'en fout un peu. Oh, très cher, je dois dire que votre cœur déborde d'amour pour les nombreuses personnes dont vous vous souciez. Vos proches amis, vos dévorants passions, votre famille, tout le monde. Vous êtes un témoignage vivant de tout mon domaine de travail. Alors, ma technique plus puissante. Lorsque vous subissez des dégâts, vous en infligez. Une fois tués, vos ennemis infligent des dégâts aux autres ennemis à proximité tout en leur appliquant l'état affaibli. Va pour les dégâts. Hein. C'est épique en plus, donc bon. Alors, on a un boss et du Athéna ou du Déméter. Du Athéna ou du Déméter. Vas-y, va pour Déméter. Steady now. Je suis très grande! Ah, pognon! Merde! Ok, on lui a pété la gueule. Ok, elle fait quand même mal notre technique, hein. Elle fait vachement mal même, hein. Et le cusbe! T'as fait un peu trop ton malinois, toi. Alors, technique givrée. Ah!
L'appel, c'est vrai qu'on n'a toujours pas chopé d'appel. Votre, lorsque vous utilisez votre lancer, vous infligez des dégâts aux ennemis autour de vous tout en appliquant l'état gelé. Votre appel crée un vortex. Votre technique est plus puissante. Ma technique, je l'utilise pas des masses. Pour le moment, on a croisé que Aphrodite, Athéna, Déméter. Il y a eu du Arès à un moment. Non, mais vas-y, on va prendre son appel à elle, hein. Histoire d'en avoir un quand même. Un minimum. J'ai rien dit. Pourquoi il a fait son malin chez toi? Salut! Oh! Oh, capin! Comment ça va, capin? Merci pour ton raid! Alors attendez, je vais faire pause, histoire de lancer un petit saut. Let's go! Comment vous allez? Salut les raiders! Salut LP! Alors attends, petit SO Capability is back! Si vous ne connaissez pas Kappa, hop, je vous invite à follow. Alors, est-ce que ça Moi, je dis, il n'y a pas fonctionne? de mauvaise méthode. Il y a des méthodes qui marchent et des qui marchent pas. Donc, voilà. Ah, mais c'est la Vous voyez, j'en technique d'il n'y a pas profite, je si viens de le faire ce longtemps. soir. C'est pas possible La d'être technique présent. J'ai pas de dit 5 comment. heures. Kikikokichou, petit lad des Exactement, paniers avant de je filer connais. au lit. On va te le clipper ou je te Il y a fais un tous mes petits extra si tu veux potes. l'avoir en entier pour avoir le. J'espère que ça s'est Yes! bien Alors. passé sur Prince of Persia. Nous on a fini Inside ce soir et avant de filer au dodo, je me suis dit, il nous reste 40 minutes, on va se faire une petite run d'Hadès, même si ça faisait longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le raid, Kappa. Si jamais tu files au lit, bah, des bisous. Une bonne nuit. Nous, on va essayer d'éclater Papounet. Allez, allez, revenez là. Ah putain, il y a encore un. Ah non, non, c'est pas le portail de chaos, c'est qu'on a récupéré notre lancée. Ok, très bien. Inside, très chouette. Ah, j'ai adoré. Bon, par contre, la fin un peu dégueulasse et on se demande un petit peu ce que c'est le délire. Par contre, je pense que je vais refaire en off les secrets. Parce que j'en ai découvert 7 sur 13. Donc, bah du coup, je vais essayer de voir ce que ça fait, si jamais ça change la fin ou pas. Ah putain, il y a un duo là. Ah vas-y, je suis obligé. Surtout si Dionysos me donne la fontaine. Ça me plairait. Vraiment excellent, Prince of Persia. Bah c'est cool si tu t'éclates. Alors, lequel on prend? Je pense que c'est plus facile d'esquiver Dionysos. Donc on va prendre Déméter. Technique puissante. Certains de vos bienfaits deviennent communs, puis leur qualité augmente tous les trois combats. Ça peut être pas mal. Lorsque vous êtes à court, vous subissez 10 dégâts de moins, 10% de dégâts en moins, infligez plus. Soit la technique, soit les bienfaits. Par contre, les bienfaits,
Je crois que j'en ai quand même pas mal en épique. Et ouais, j'ai le rayon cristallin qui est héroïque, épique, épique. Et ouais, j'ai quasiment que des épiques. Franchement, ça me ferait un peu chier que ça tombe en commun. Il va me falloir 3 combats pour que ça passe en rare. 3 combats pour que ça passe en épique. 3 combats pour que ça passe en héroïque. J'hésite. Elle s'éclate et se fait bien éclater. Bon, vous m'intriguez avec votre inside là. Bah, c'est celui que j'ai fait juste avant là. Il était. Franchement, non, il était bien sympa. Il y a Inside et. Non, franchement, ils sont pas chers. En plus, ils sont souvent en promo. Celui à faire avant Inside, c'est. C'est Limbo. Bah voilà, tu connais Limbo. J'hésite. Franchement, j'hésite. Senpai, tu prendrais quoi entre la technique et la récolte? Étant donné que j'ai quand même mes trucs qui sont déjà en héroïque, épique, 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 rare. Il n'y a que mon point destructeur qui est en normal, quoi. Franchement, j'hésite avec la récolte, hein. Technique ou récolte. C'est les mêmes créateurs. Oui, ça va, je suis sur tel. Ils corrigent n'importe quoi. Non, je connais pas. La récolte, j'ai jamais pris. Ah, moi, bah, la récolte, j'ai déjà pris. Et bah, là, comme tu vois, il y a deux bienfaits qui vont tomber en bienfaits communs. Et toutes les trois salles. Ça va passer de commun à rare, de rare à épique, de épique à légendaire. Mais le problème, c'est que bah, si j'avais des trucs communs, pourquoi pas? Mais j'ai déjà un héroïque, des épiques, tu vois? Et franchement, ça va me faire chier de qu'ils tombent en commun, quoi. Non, vas-y, je prends la technique. Allez Dionysos, fais la gueule. J'aurais pas choisi ça à ta place, Zach. Tu me cherches là, mec? Ok, alors moi aussi je vais te chercher. Aïe. Ok. Ok, ça va, ça s'est bien passé. On a un bon build quand même. Volonté vorace, si tu penses à utiliser ton lancer. Non, mais mon lancer, je l'ai utilisé, je perdais pas de vie là. Il est passé le bordel de chaos. Limbo Inside, ce ne sont pas des Metroidvania par contre.
Alors ça, c'était du spectacle, mec. Chapeau, t'as bien mérité ça. Donne-moi ta fontaine. Oh, il y a la fontaine. Bon, elle est pas rare, mais il y a la fontaine. Au moins, on récupère toute notre vie. Donc oui, direct, la fontaine. Qu'est-ce qu'il y a à gagner là-dedans? Ouais. Alors, on a Caron, on a de la vie. Ouais, vas-y, l'épreuve du trésor. Regarde, j'ai 197, je le lance et j'ai toujours 197. Bientôt, elle va faire Céleste. Je fais pas que du Metroid. Demain, je pense même continuer Lost in Random. Trop bien, Lost in Random! Jamais je ferai Céleste! Pour moi, celui-là me coûterait trop cher en manette. Alors. Donc. On a du pognon, on va aller chez Caron. Ding, 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 encore du Déméter. Lorsque vous utilisez votre lancer, vous infligez des dégâts. Lorsque tous vos ennemis sont gelés, ils deviennent plus 12% plus lents et se désintègrent. Votre lancer persiste plus longtemps. Ouais, c'est full lancé là. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on utilise une grenade ou pas? J'aurais dû l'utiliser avant. Votre élan. Lorsque vous subissez des dégâts. Ouais. Quatre, du coup, ça ferait 16, 160 pour l'appel. Allez. C'est pour les masochistes célestes chez Aymeric Caron. Je ne connais pas. Je n'ai pas la ref, malheureusement. Alors, ok, l'hydre. Ok. Ah merde, putain, elle a appelé des poteaux. Par contre, ouais, si tu pouvais, si tes petits potes pouvaient crever avant.
Aïe! Je sais plus comment on lance l'appel. Ah merde! Du coup, c'était pas l'appel. J'ai appelé. J'ai utilisé ma petite créature. Bon, c'est pas grave, hein. Ils ont fait du mal quand même. Ok. Il n'y a pas de la bouffe. Ah, mais de toute façon, je m'en fous. Il y a la fontaine. Merci, Dionysos. Il était un des deux chroniqueurs chez Ruquier le samedi soir dans On n'est pas couché. LP, notre encyclopédie à nous, notre sage du village. J'irai pas jusque-là. 17 jours trop tôt pour l'appel du 18 juin. Et ouais, non, bah on n'est pas couché, Ruquier, machin. Bah la télé, c'est. Je n'ai pas la télé. Je n'ai pas de chaîne ni rien du tout, donc je ne peux pas. Je ne connais pas. La nourriture, on en a déjà. Tout ça, on s'en fout. Let's go. J'ai eu la télé, mais ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Et je m'en porte que mieux. Alors donc là, on va arriver dans les Champs-Élysées. Ça va pas être la même. Ils vont avoir pas mal d'armure. Oh coquille, j'ai oublié de te taguer, de me taguer la gueule. Alors, est-ce que Hermès, ça vaut le coup? Parce qu'on a déjà pas mal d'élan. Mais ouais, allez, un petit dieu. J'ai arrêté depuis 2018, j'ai plus d'antenne. Oula, moi ça remonte encore à plus loin que ça. Ah merde, les pièges! Je croyais qu'ils étaient dans l'autre sens. Bim! Alors, est-ce qu'il y a de la bouffe? Dis la bouffe. Ok, il n'y en a pas. Mais t'as vu l'arbre Mojo en Lego? Non, ça me dit rien. Quelque part, je ne regarde plus vraiment la télé non plus, que des jeux, des séries policières avec maman, mais sinon que du streaming, assis, un peu de sport. Mais jeux et séries en replay. Moi, je regarde les 90 minutes d'enquête avec Didier, sous-officier dans la brigade motorisée de Palavas-les-Flots. Je t'envoie ça, préviens le banquier, ça va faire mal. Ah ouais, à ce point-là, il est si beau que ça? Tu sais, chef, juste entre nous, de tous les bénéficiaires de livraison spéciale que j'ai connus à travers les âges, c'est bien toi le plus intéressant. Alors, ouh, l'appel augmente sa vitesse. Alors attends, non, votre appel augmente également votre vitesse de déplacement ainsi que vos chances d'esquive pendant 10 secondes. Votre attaque est plus rapide, vous vous déplacez plus rapidement. Ah bah, le déplacement. Bien entendu. La vie ou la grenade? La grenade. Aïe!
Wow. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? Mon rayon, ma technique, mon attaque. 2 tous les 0,5. Celui-ci, c'est mieux. Allez, va pour le rayon. Pour une fois que j'utilise mon lancer, on va investir dedans. Ok, j'ai déjà dû prendre la bouffe. Ah ouais, 300 balles quand même le Mojo Lego. Ah ouais, il picote. J'aime bien cette musique, j'ai vu l'annonce. De toute façon, Lego, ils abusent. Ah oui, non, mais ça c'est clair par contre. Avant, c'était pas aussi cher et maintenant, c'est du délire quoi. Allez, du pognon. Coucou. T'es où? T'es où? T'es où? Il est où le poteau? Tiens, cadeau. Dans ta gueule. Tenez, un petit cadeau de ma part. Au moins, on les éclate. Ah bah ok, c'est fait. J'ai dû renvoyer les boules dans la gueule de l'autre. Putain, on a encore du chaos. Ah putain, par contre, c'est full boss ici. Ça veut dire qu'on va se taper potentiellement le Minotaur. Soit on va chez Chaos, soit on se tape potentiellement le Minotaure dans la gueule. Après, qu'est-ce qu'on pourrait gagner? Dionysos, j'ai déjà eu la fontaine. Les hommes et leur Lego. Bah, quand j'étais petit, j'aimais bien. Après, j'en ai plus. Hein. Aphrodite, ça me branche pas. Dionysos, qu'est-ce qu'on pourrait gagner? Qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec Dionysos? La frappe émichée, ouais, mais ça remplacerait des trucs que j'ai, non? Risque calculé. Projectile voyage plus lentement. Ok, ça ce serait un duo. Tous les bienfaits que vous trouverez sont de qualité supérieure. Épique. Ça c'est pas mal, mais on peut pas l'avoir vu qu'on n'a pas. On n'a pas Poséidon. Ça on peut pas l'avoir non plus. Ça non plus. Ça non plus. Dégâts de foudre. Ça non plus. Votre lancer brouillard festif. Ça non plus, ça non plus. Contamine d'autres. Frappe éméché, ralentisse vos ennemis. Vous infligez plus de dégâts. Subissez moins de dégâts lorsque vous tenez dans votre brouillard. Ouais, mais ça, je l'ai pas. Vous subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40%. Ah, ça, c'est pas mal. Celui-là, on l'a. Ah voilà, after party c'est pas mal aussi. Si ma santé tombe trop bas, on récupère. Après il y a ça aussi qui est pas mal. On va peut-être aller voir Dionysos en vrai. Idem mom j'ai eu mais c'est tout. Moi j'embêtais mon frère pour jouer au petit soldat avec lui.
Ma petite sœur faisait la même chose, on jouait à la Nintendo aussi ensemble. On va peut-être pas aller chez Chaos. Après, je me dis, on pourrait éviter un boss. Mais bon, allez. On est là pour jouer. On va voir Dionysos. Ah putain, le Minotaure. Fait chier. Aïe! Aïe! Arrête de me faire mal! Putain! Elle me fait chier, ta... Ta zone de dégâts. Tiens, cadeau. Aïe. Ok, bon, il m'a mis pas mal de dégâts dans la gueule, hein. Je l'aime pas, lui, à la base. T'en as pas marre de me copier? Tu copies toute ma vie. Tu peux lui faire tournicotis, tournicoton quand il charge. Ouais, mais je préfère le faire foncer dans une statue pour qu'il soit arrêté net et que je le et qu'ensuite je lui éclate la gueule. Alors, vous subissez moins de ah bah tout ce qui m'intéressait. Votre santé augmente lorsque vous ramassez du nectar, plus 30, et vous subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40%. Et non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était celui où je récupérais de la vie en quittant la salle. Soit de la vie max, soit ça. Allez, va pour ça. On a pas mal de vie, mais bon. Pas grave. Oh, ce jeu est bon, ce jeu est pas ouf. De quoi? De Hadès? Tu parles de Hadès? Aïe! Aïe! Connais rien. Non, tu sais rien, Jon Snow, amateur, va. Alors attendez, est-ce qu'on a de la bouffe planquée à droite à gauche? Parce que là, ah, cool. Parce qu'on est en train de s'en prendre plein la tronche. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Hyper vitesse, votre attaque est plus rapide. Vous obtenez un peu d'argent à chaque fois que vous entrez dans une chambre.
Lorsque vous vous élancez, vous devenez brièvement robuste. Ouh, il y a un marteau de dédale là-bas. Bah déjà, c'est pas un Metroidvania. On va renvoyer les pièges. Merde. Aïe. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Alors, vous restaurez 2% de vos points de vie à chaque fois que vous tuez un ennemi avec votre technique. Maintenant, enfoncez votre bouton de technique pour augmenter sa portée et infliger jusqu'à 100% de dégâts. Votre attaque inflige plus 5 points de base pour chaque frappe consécutive blessant un ennemi. Bah, va pour la vie. Va pour la vie. Et il va falloir utiliser la technique à fond les ballons. Va falloir utiliser la technique. Aïe. Eh merde, putain, à vouloir utiliser ma technique, voilà, j'ai perdu un refus de la mort, super. Histoire de récupérer un peu de vie. Voilà. Ah. Il nous en reste un. Ok. Au moins, on a récupéré de la vie grâce à notre bordel là. J'ai fini DMC. Moi non plus. Oui, mais toi, tu es un peu comme Rafiki, le singe de la savane. Tu es le sage qui éclaire la route en pleine nuit. Tu illumines la connaissance pour instruire nos cerveaux incultes. Rien que ça. Bon, j'ai perdu un refus. Un refus de la mort. C'est un petit peu dommage. Ah! Je peux récupérer mon refus de la mort. Là-bas. Donc on va y aller. En plus, je sais plus si j'ai pas encore des trucs à leur donner à Graille. Le petit couple. Oh, c'est mes potos, c'est ceux qui m'aident en plus si jamais j'ai besoin pendant un combat difficile.
Nous ne sommes pas à plaindre ici. Nous espérons qu'il en sera de même pour toi. Alors, restant la totalité de mes refus de la mort, ça vaut 200 balles quand même. Pour les 5 prochains, vous restaurez 30% de vos points de vie. Non, vas-y, c'est trop important les refus de la mort. On va aller chez Caron. Parce que chez Caron, voilà, il y a de la bouffe dans mes... Dans les pots. Du Déméter encore. Putain, mais c'est que du Déméter. Ah non, il y a la frappe aussi. Tiens, la technique plus puissante. Et on va prendre la graille. Et on va voir le petit couple mixte. Le macaron, exactement. Le petit couple mixte. Approche, scélérat, et goûte à la justice de ma lance. Allez, ça commence bien. Allez, espèce d'enfoiré, j'avais oublié que tu faisais ça là. C'est vrai que toi, sur ton chariot, t'es relou aussi. Aïe! Qu'est-ce que je fais? Ok. Aïe, putain le con, j'ai chié dans la colle. Putain, c'est tellement long là. Ok. Merde, je l'ai lancé trop tôt.
mais c'est trop bien, il se laisse faire. Il se laisse faire tellement il est gelé. C'est trop bien. Bon, par contre, j'ai perdu un refus de la mort comme un con. Je suis un peu deg. Oh, Wynoobs, comment ça va? Ben moi, ça va nickel. On a fini Inside. Et du coup, comme je me suis dit, ah, il doit me rester 40 minutes de stream, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se lance une run Hades, ça fait longtemps. C'est longtemps que j'ai pas vu d'Hades, premier du nom. Ah bah, tu m'étonnes, avec tout le monde qui joue sur le 2. J'ai sombré dans le 2 en ce moment. Sympa ton petit overlay Zelda. Ah, cool, ça te plaît. Merci, merci. Je l'ai. Mon plus grand fan, salut! J'ai agrandi l'écran pour qu'on voit quand même mieux. Apparemment, on voyait pas top top hier, on m'a dit. Ouh, j'étais pas loin de perdre un autre refus de la mort là! Alors, Inside, t'en as pensé quoi? Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, mais Limbo aussi, j'avais adoré. Donc, par contre, je vais changer. Ah putain, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Soit je continue avec le plumeau de Dusa pour la bouffe. Mais par contre, il faut que je le fasse en off, inside, pour les secrets. Les secrets que j'ai loupés. T'as eu quoi comme fin? Ah bah, je pense que j'ai eu la fin classique parce que j'ai pas eu tous les secrets. Hein. En gros, j'ai roulé, roulé, roulé à l'extérieur. Et puis fin. Fin dans la lumière. Mais j'imagine que si j'avais eu tous les secrets, ça se trouve, j'aurais pu me barrer en sous-marin. Après, j'ai eu 7 secrets sur 13. Donc, je pense qu'en off, je tenterai d'avoir tous les secrets. Donc, du coup, j'hésite entre le plumeau de Dusa pour avoir de la bouffe un peu dans toutes les salles. Ou la dent de Thanos pour avoir un. Pour avoir un refus de la mort supplémentaire. Après, est-ce que je peux en acheter? Merde. Est-ce que je peux en racheter un? Ok, là, il n'y en a pas. Un objet du puits de Charon. Non. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Bon, ça va peut-être me coûter cher. Il y a beaucoup d'interprétations de Inside. Ah bah pour moi, il faisait des expériences sur des humains. Hein. C'est creepy, j'adore le passage dans l'eau avec la fille. Ah oui, celle qui veut faire des câlins. Bah d'ailleurs, je me demande si c'est elle qui m'a donné la capacité de respirer sous l'eau. Je sais pas. Du ça peut être bien quand même. Hein. Mais, Thanos. Thanos, Thanos. Il nous manque celui de papa. Ouais, mais celui de papa, il est pourri, je crois. Ah non, c'est juste que je peux pas le prendre. Soutien olympien choisi. Mais il est pourri de toute façon le sien, il me rend juste invisible, c'est à chier quoi. Thados ou Dusa? Thados ou Dusa? Je me dis qu'avec un peu de chance, je peux racheter un refus de la mort dans les salles. Donc on va continuer avec Dusa. Ah merde! Senpai qui s'est fait bloquer pour gland. Autorisé. En général, je prends le gland. Ici, ça permet de tanker sur le boss. Alors moi, le passage dans l'eau avec la nana, j'ai moins kiffé quand je l'ai fait. Ah, moi ça va, franchement, ça va. C'était pas trop 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 compliqué. Mais il y a un côté quatrième mur qui a ses expériences sur un. Ouais, mais c'est ça. Ces expériences sur les humains. Je me demandais s'ils essayaient d'en faire des hybrides ou des trucs comme ça, là. Ils se sont fait contrôler, mais toi-même contrôle. Oui, bah, comme dans Limbo, là, avec les petits vers au début. Sur les cochons, déjà.
Et non, mais franchement, c'est cool, hein. Et toi-même conduis ouais, jusqu'au blob géant et il continue à en fait à me manipuler pour me mettre dans la cuve là. Et jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout, ils sont en mode expérience avec moi quoi. Alors, let's go. Yora, mon petit chien. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que je vais les acheter plus tard. Du Dionysos, vas-y. See what's in here. Ah oui, il faut pas que j'oublie, il faut que je pète avec ma technique. Pour récupérer de la vie. C'est vrai que du ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'ai ma récupération de vie. Donc, donc en vrai, du ça, c'était peut-être pas forcément le bon choix. Ok. Certains disent que c'est une interprétation de la naissance, mais ça me paraît un peu perché. Ouais, non, pour moi aussi. Par contre, le studio, j'ai moins été fan de la dernière production Somerville. Je connais pas. Tu vas attaquer quoi après? Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. J'ai tellement de jeux à faire que. Ok, salut les filles. Voilà, donne-moi un peu de vie. En plus, ma technique, elle les gèle. C'est ça qui est trop bien. C'est que du coup, ils bougent plus, quoi. Je t'avais pas vu, toi. Ok, en plus on récupère notre vie. Ah! Il y en a encore un. Voilà! En plus on a toute notre vie. C'est parfait. Qu'est-ce que tu me donnes? Moi je veux l'after-party. Technique éméchée. Oh que non, je garde ma technique givrée, ça c'est clair et net. Ralentissent vos ennemis. Moins de dégâts. Ouais, vas-y, hein, mais bon, c'est pas très très utile. Moi j'ai fait Last Campfire. Je l'ai aussi, Last Campfire, ouais. Tu as fait. Ouais, je l'ai fait en off. Il est dans ma liste à streamer, mais je l'ai fait en off il y a un petit moment. Cute ce jeu, ouais. Et je l'ai fait à 100% avec toutes les tous les coffres à trouver, etc., etc. Et dessus, j'ai fait ma demande en mariage à Cookie. Il a denied. Et oui. Un des créateurs de Limbo et Inside a fait un autre jeu aussi où tu manipules des sphères Cocoon. Ah oui, mais Cocoon, je l'ai dans ma wishlist. J'attends qu'il soit un peu moins cher. J'ai beaucoup aimé, moins dark. Ouais, j'ai vu quelques extraits.
Ah oui, Cocoon, faut que je fasse. Ouais, moi il est dans ma wish list. Let's go. The Wild at Heart, celui-là je l'ai. Il est dans ma liste à streamer. Ah, un petit poisson. Excellente prise, un boursou. Ok. On va attendre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Du Pognax? Allez. Ok, tu m'as. Il est où le. Merde. Il est où le bassin? Espèce d'enfoiré de merde. Tu m'as fait des dégâts là. Je voyais pas le bassin à cause de l'autre con là derrière. Fais chier. Ok, bon, franchement, mon état gelé, ça vaut énormément le coup. Hein. On a récupéré notre vie. Bon là par contre, on va les éclataxes à la main. Tout va bien. Il était dans le Xbox Game Pass, Cocoon. Game Pass me fait dire que ça sert plus à rien d'acheter des jeux. Ouais, bah moi, comme je suis sur Switch, je l'ai dans le cul. Maintenant, il y a Lord of the Fallen. Cookie, j'aime bien quand tu parles mal, mais moi aussi j'aime bien quand je parle mal. Quand je dis des putains, des merdes, des bordels. Franchement, petit budget, tu t'es acheté une série S qui va déjà très bien, le Game Pass, t'es le roi du pétrole. C'est vrai, on m'a déjà dit ça, d'acheter une vieille console. Ok. Ok, bon, bah on a trouvé la salle. On a trouvé la salle. Est-ce qu'on prend du risque? Franchement, je suis deg parce qu'en fait, Dusa, en vrai, ça m'a servi à rien. J'aurais mieux fait de prendre. Le refus de la mort. On a 944. C'est con parce qu'il nous manque un chouïa pour prendre. Poséidon et Hermès. Prime d'activité, vous obtenez de l'argent. Plus votre vitesse de déplacement est élevée, plus vous infligez de dégâts. Haha, et comme je vais vite. Plus 75%, let's go. Et on va peut-être se prendre une grenade. Votre élan inflige des dégâts, mon rayon cristallin, ma technique. Vas-y, ma technique, vu qu'on gèle en plus. Hé hé! L'été dernier, j'ai pris Série X quand même, car il y avait des jeux qui demandaient pas mal de ressources. Du coup, tu t'es mis bien. Bon, j'hésite. La grenade. Non, allez, vas-y, on va voir Papiné direct. Et au final, j'en suis très content. C'est ainsi que le prince parvint une fois de plus à persuader le redoutable Cerbère de s'écarter de son chemin. Bon, on va voir si on arrive à passer Papounet.
On est en température 8, je crois, sur les gants clés. Et j'aimerais bien un petit poisson ici. You can beat me this time, Tu father. crois pouvoir me battre cette fois, père? Let us see if the support you're Voyons getting si le from soutien que Olympus tu reçois de amounts to l'Olympe t'est anything of use. véritablement d'une quelconque utilité. Ok, papounet. Merde. Ok, on lui fait mal assez vite. Ah merde, c'est pas ça que je voulais utiliser, je voulais utiliser mon appel. C'est vrai que je peux les renvoyer, ces merdes. Ok, on a déjà déclenché l'attitude positive tellement on s'est pris de dégâts. Ok, il va balancer une vague à la con. Ça va là, les crânes là? Il n'y en a pas trop là? C'est quand tu veux, hein. Tiens. Ok. Bon, j'y vais n'importe comment là. Hein. Ok. Ah bah franchement, Déméter, Alcari de fou en vrai. Il y a une P3. Il y a une P3 quand tu augmentes la température encore plus, je crois. Il m'a éclaté une fois d'ailleurs. Pour Hadès, je lui aurais envoyé Kratos, il en aurait fait de la charpie en moins de 2. Que faudra-t-il faire pour que tu... Ah! Dieu! Du coup, on va aller dans le jardin de ma maman.
Ok, bon, on a pris notre temps, hein. 47 minutes. Vous voyez, meilleur temps, j'avais mis 25 minutes. Donc, il n'y a pas de petit poisson. Par contre, c'est cool, on a validé. Il me reste plus aucune histoire à raconter, mais n'imagine pas avoir gagné, Prince Zagreus, car les bonnes histoires sont celles qu'on peut raconter encore, encore et encore. Sur ce, à la prochaine. GG, merci! Et là, je meurs. Parce que je ne peux pas rester trop longtemps en surface. On va voir un petit peu si on a déverrouillé du lore. Je suis de retour. On se revoit la prochaine fois que tu mourras, ok? Ok. Va donc apprendre à ces misérables vrai sens de la peur, veux-tu? Une petite caresse, mon petit choubidou? Personne ne sait vraiment comment te caresser. Et sans sortir vivant. C'est mon toutou. Cerbère salue le prince d'une affection tempérée par le temps. Courage, mon garçon. Fais ce que tu as à faire. Y'a mon chéri, Thanatos! Je dois te dire quelque chose, Stan. Tu es vraiment méchant avec Hypnose parfois, tu sais. Et ça vient de quelqu'un qui l'est beaucoup avec lui aussi. Crois-moi, je peux comprendre, mais quand même. Il n'est qu'un bon à rien, Zag. Il ne serait même pas ici sans mère. Ni Xerar lui pour lui inculquer un semblant de discipline. D'accord, mais rien de tout ça ne serait ici sans Nyx, non? Enfin, bref, ce que je veux dire. C'est que tu devrais être plus gentil avec lui, mais il doit y avoir un moyen pour ça qui n'implique pas autant de frustration. Vous y gagneriez tous les deux. Je sais, c'est juste que... T'as raison. Quand je repense aux choses que j'ai pu lui dire, je me sens horrible. Il a tendance à être très énervant et égocentrique, mais je sais qu'il a bon fond. Enfin, probablement. Et Hypnose, c'est son jumeau. C'est son jumeau. Ma maman, elle est pas là. Nyx non plus. T'es passé où, maman? Y a personne. Ah, j'ai du poisson pour toi. Ok. Est-ce Est-ce que t'as des trucs à me vendre? Diamant. Est-ce que ça me servirait? J'ai 25 diamants. En gros, moi, c'est les 100 titans qu'il me faut. J'ai assez de gemmes pour le 100 titans. On va prendre son sang de titan comme ça. Les gemmes, en vrai, on s'en fout, hein. Parce que 200 gemmes. Ouais, non, non, on va prendre le sang de titan. La femme d'Hadès, c'est Perséphone, non? Ouais. C'est la fille de Déméter. Y a pas grand monde qui traîne dans le coin. Nyx, ça se trouve, elle est allée voir K.O. These wall scrolls are awful. Ok. Dans sa piole, il n'y a que dalle, j'imagine. Ouais, je suis très égocentrique, hein.
J'ai mis un portrait de moi et un portrait de mon loulou. C'est dommage qu'on puisse pas avoir un portrait de Thanatos, parce que sinon je l'aurais mis. Est-ce qu'on a des trucs à claquer? Tout est tellement cher. Paysage. Ouais, voilà, j'ai mis le portrait de Cerbère et le mien. Sinon, je peux mettre celui du Papounet, celui des trois sœurs ou celui de Nyx. Ici, on a quasiment tout acheté dans le foyer. Dans les appartements, je veux dire. Il nous reste ce truc-là qui n'est pas donné. Non, c'est dans le salon. Nos appartements, on a tout acheté. Ouais. Et les musiques, elles coûtent très très cher. C'est un triple loulou, mais oui, il est trop beau, mon chien. Une petite caresse. Je me sens toujours mieux quand je te parle, mon chien. Il est trop beau. C'est un pur beau gosse, Cerbère. Le portrait de Thanatos n'existe pas ou c'est toi qui l'as pas débloqué? Non, je pense pas qu'il existe. Je pense pas qu'il existe puisque dans le hall principal, tu vois, là, il y a tous ces trucs-là, je les ai pas achetés encore, mais je les vois. Et après, il y a quelques trucs hein, qu'on voit pas et qu'on peut débloquer. Mais franchement, je suis bien avancé, donc je pense que j'ai peut-être déjà tout débloqué. Et tu vois les portraits. On voit qu'il y a Cerbère, Nyx, moi-même, les Erinnies, les trois sœurs, et Hadès. Et là, portrait de princesse, je sais pas trop ce que c'est. Portrait de héros exalté, un champion de l'Élysée. Des paysages. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas Thanatos. Mais bon, c'est pas grave. On va aller dans notre chambre, histoire de sauvegarder. Et d'ailleurs, on va voir, est-ce que je peux investir dans mon miroir? Tout ce que je prends habituellement, je l'ai déjà maxé. Ça, c'est juste pour la complétionnite. Ok. Ah, ok, d'accord. J'ai pas tout maxé. Et ça me coûte 2000 obsidiennes, celui-là. Donc, ben, on n'a pas fini. Un petit peu de musique? Perhaps I'll never meet my match. It's never bedtime here. Il n'est jamais l'heure de dormir. Ok. On en est où au niveau de ça d'ailleurs? Il nous reste encore plusieurs destinées à accomplir. Toutes celles-là, on les a accomplies. Alors, il nous reste. Ah oui, il faut que j'utilise le miroir pour avoir 800. Sauf qu'il y a plein d'options du miroir que j'utilise pas. Faudrait que je me fasse une run toute pourrie en inversant tout ce que je prends habituellement. Client fidèle. Pour un jour l'acquisition de chacun des divers objets. Le toucher du Styx, c'est quoi? Le tribut de Midas et le détecteur de trésors. Tout ça, je ne les ai pas pris. Il faudrait que je les prenne pour valider. Les avantages réduits, ça c'est à cause, c'est avec les températures, je crois. Ça c'est pareil, c'est les températures. Le canon, il me manque une amélioration du canon avec un marteau de dédale. Les points jumeaux aussi. L'arc aussi.
Ça, c'est les duos. Il me manque quelques duos à débloquer. Un pouvoir inégal et le fils du dieu des morts bénéficiera un jour d'une multitude de bienfaits légendaires offerts par les Olympiens. Ok, donc là, il m'en manque quand même pas mal. Ouais. Bah, on verra. En tout cas, c'est cool. Je suis content d'avoir validé la... d'avoir validé la... la run. C'est cool. J'avais peur d'avoir un peu perdu la main. Mais du coup, non. Donc, c'est bien sympa. Voyons voir qui nous avons en live. On va se faire un petit raid avant d'aller dodo. Du Grand Theft Auto, du Final Fantasy, du Rétro, du Farming Simulator, ah, du LOL, Berk, de la musique. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon allez, vous savez quoi? Pour le... comment dire? Pour le bonne nuit, pour le dodo, etc., on va aller chez Chameau Mélodie, qui fait du piano. Du coup, c'est très bien pour s'endormir gentiment. Hop, je prépare le raid. Tac. Je vous mets... Tac, tac. Quoi? Bonne nuit à tous. Merci pour la session et le sub. À bientôt. Tu retires ce burk. Quel burk. Merci en tout cas pour ton follow, Senpai. Si jamais tu veux rester pendant le raid, voir un petit peu ce que fait Chameau au piano. Je vous mets son petit nom d'ailleurs au cas où vous êtes expulsé du raid. Le burk de LOL. Ah ouais, non, moi j'aime pas LOL. Alors, en plus, à ce qui paraît, les joueurs de LoL, ils puent. Et des bisous LP! En tout cas, merci à Yulva pour son raid. Merci à Yulva pour le subgift. Merci à... Alors, j'en oublie. J'en oublie, j'en oublie. J'ai eu deux autres raids, je crois. Ben oui, merci à Kappa, bien entendu. Merci à Kappa pour son raid. Et merci à Senpai pour son raid aussi que Yulva m'a envoyé. Voilà. Merci à Shingeki pour le follow. Et des bisous. Des bisous, des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à toutes chez Chameau. Et voilà. Si t'aimes LOL, Yulva, il y a Convergence en Metroidvania qui est cool. Bonne nuit, les amis! Des bisous! À lundi, sûrement, parce que de ce week-end, je suis pas là. Des bisous!